Il y a un premier invité pour nous recevoir, c'est pour la première fois que je vais recevoir un monde comme ça dans l'émission, hein, oui. Je vais recevoir l'autre monde dans l'autre branche qui est peut-être dans le même secteur. Mais, non, alors, est-ce que pas le même secteur, mais même branche, on a dit. Mais je ne peux pas jamais recevoir un prêtre dans l'émission. Je vais recevoir un pasteur, je vais recevoir, c'est ce que je dis, vous avez un prêtre vaudou. Mais on prête de l'Église catholique, non, c'est pour la première fois. Et son plaisir à soi, Miguel, pour me recevoir. Père Asnig Merlet, qui est un prêtre diocésain du département de l'Ouest. Comme étant un ancien séminariste, je connais un peu le jargon de l'Église catholique, surtout des prêtres. Père Asnig, bonsoir. Bienvenue, son plaisir, vous avez une émission avec nous. Bonsoir, Guy. Salut. Je salue tous les auditeurs, auditrices. Je vous dis, tout le monde qui nous suit sur Facebook avec Instagram, nous saluons, nous disons, nous contents et nous contents de partager tout le plateau ça ensemble avec vous. Quand vous dites c'est une première fois, oui. Mais c'est une première fois liée pour moi tout, pour moi avec ouais. Vous. Hein, et nous nous rencontrer il n'y a pas longtemps, mais ouais. C'est quand même bien, hein, j'apprécie. Merci. Merci, ça fait plaisir. Père Asnig, c'est un prêtre, nous entendons déjà de l'Église catholique, mais c'est un musicien aussi. Oui. Ouais. Alors, avant même d'arriver, mais il y a une raison qui fait nous l'ajouter, c'est parce que vous faites musique, vous chantez, et vous avez plusieurs albums dans Actif ou et vous faites des activités aussi. Donc, nous avons pour rentrer dans le détail ou peut-être motif de présence ou l'ajouter. Mais moi, pas qu'à recevoir un prêtre comme ancien séminariste. Pour me courir, venir dans la musique avec elle, ça me va parler de racines. De racines. Père Asnig, c'est qui est-ce qui côté le sorti dans le pays, je veux dire, où c'est prêtre dans le département de l'Ouest, parlez un peu de vice. Voilà, et Père Asnig, c'est originaire de Jérémie, de la Grandance, et nous fait toute décadie en France, nous grandis, nous levés, et nous fait toute décadie cheminement social, nous, dans Port-au-Prince. Et nous faisons un séminaire tout, nous sortons dans un séminaire, nous entrons dans un grand séminaire, et nous étudions à la fois théologie, philosophie et théologie, et après nous ordonnons prêtre. Ouais. Et je dis à nous, en tant que prêtre, j'ai exercé ministère dans l'archidiocèse de Port-au-Prince, prêtre de l'archidiocèse de Port-au-Prince, mais aussi dans la chapelle Sixtine, Notre-Dame de Fatima, dans le bicentenaire, qui, je dis à une zone de. Au carré, le nom de. Non, droit, ou bien voilà. Une zone. Mais c'est bien malheureux. Difficile d'accès. C'est bien malheureux. Et pour nous parler de bicentenaire dans le sens ça. Chaque jour, mais et pendant que nous avons préparé pour nous célébrer 75 ans. Et bicentenaire là, pour me dire 75 ans l'église là et Notre-Dame de Fatima dans bicentenaire là, et c'est presque au même moment que tout est inauguré. Ça fait près de 75 ans en 2024. Alors où c'est prêtre, nous connaissons un prêtre généralement et il est difficile pour un prêtre pour aller dans l'ambiance musicale parce que l'église catholique gagne musique là-dedans, mais il y a un qui décide de rentrer beaucoup plus profondément dans la musique et aussi en ayo. Quelle est la connexion ça, quelle est la décision ça, par le fait de dire prêtre et musicien en même temps. Et mon cher, moi commencé depuis tout petit parce que bon, j'étais enfant de cœur aussi et au qu'on est dans l'église, bon, au lever ou grandir dans l'église et laisser pas tambour, c'est guitare, laisser pas guitare, c'est yon et va télé, comment on télé, son gros piano qui était un gros pied qui dans l'église, orgue dans l'église là. Mais ou besoin yon bagaille quand même pour capable apprendre et encore plus au petit séminaire, c'était yon cours que l'était. Où t'es doué apprendre jouer musique. Et on fait partie d'un choral. Voilà, et nous t'es dans choral et m'te fait partie plusieurs chorales et puisque m'te aimé chanter et m'te dans presque toute chorale dans l'église là. Hein, ça vient faire que l'itérité comme une habitude et pas même une habitude, c'est comme une seconde vie quoi. Mais oui, m'aimer ça. Alors vous aimez ça et vous décidez de pratiquer les deux en même temps. Est-ce que c'est ou finir avec études théologiques ou dit bon m'a consacré ma ça ou bien en même temps on t'a essayé toujours qu'un bon niveau musical ou t'es gain. Normalement en tant que séminariste et bon
c'est sûr que nous toujours chanter, il y a classe de chant, gain toute activité et des cadis liturgiques qui permettent que ou vivre la vie spirituelle dans un séminaire qui marie avec chant, il y a même la prière de tous les jours, c'est chanter ou chanter ou presque. Mais mis à part activité normale qui te gagne dans un séminaire, moi j'ai toujours aimé chanter, m'a écrit, m'a des fois composé parce que et dans un séminaire tout gain on temps aurait été les c'était des moments communautaires que tout le monde baille en participation payo, ça compte chanter, ça compte jouer musique, théâtre, et ce tu vois. Mais dans chaque monde, il était présenté en bagage, moi-même le besoin c'est chanter, m'étais toujours aimé chanter. Et moi écrit un texte, et texte moi écrit, me chanter. Mais dans un séminaire où Pape Cab fait valoir et potentialité comme artiste ou bien comme un monde. Ouais, c'est pas vocation première là. C'est pas vocation première là. Bon, c'est peut-être après, quand moi fin ordonné prêtre et puis là, commencé à militer comme prêtre et puis me dit, ben, pour qui m'obliger cacher un talent, que, qui c'est un don, bon Dieu, bah où me dit, faut mettre ça, bon Dieu, bon moi comme talent dans le service là, tu vois. Et c'est à ce moment-là que je commençais, depuis en 2014, moi avec un autre prêtre et un ami mais que Père Marcari nous dit bon maintenant mettons un groupe sous pied et c'est comme ça que moi j'ai commencé avec un groupe pendant que j'étais vicaire dans la paroisse Divine Miséricorde dans Péguyville et nous avons commencé une petite activité chaque lundi après-midi. Nous commençons à chanter des musiciens dans l'église qui viennent aider nous, viennent jouer avec nous et c'est là que j'ai commencé. Bon, moi je dis là qui attire attention. Il aime dire l'église, dès qu'on marche l'église souvent, m'de passé le monde tape tourner sur rythme l'église là, ou dit vicaire dans une paroisse. Et c'est l'église, on dit, tout le monde a supposé qu'on s'appelle un vicaire. Un vicaire, c'est un prêtre qui vient après curé. Yo, voilà, un vicaire, c'est un prêtre collaborateur. Collaborateur. Et paroisse à l'église. Un prêtre adjoint, c'est une garde dans le langage administratif. On dit plutôt collaborateur. On dit plutôt collaborateur. Et le curé est l'administrateur et le vicaire est collaborateur. Ouais. A dit vicaire, il est là pour que lui collaborer, lui aider dans l'administration et à la fois ministère et sacrement tout et tout. Et rendre l'église là ou bien paroisse là, lui vivante. Les vivants, c'est le rôle du vicaire. Ouais. Et là, il y a deux prêtres dans nos paroisses, peut-être il y a beaucoup plus de possibilités pour que fidèles joignent service dans l'église. Ouais, exact. Voilà. Il y en a pas quand même envie de tourner avant maintenant un aspect musical là. C'est, je dis, le fonctionnement de l'église par rapport à avant, surtout dans le pays d'Haïti. Moi-même, menti, j'ai encore la même logique. Penser que à l'église chaque dimanche, à pratiquer. Et ça qu'a prêché dans l'église là, le monde qui est dans l'environnement, on a l'impression qu'on a mené une vie qui. Monde l'a tourné dans le sens nous. C'est genre l'église dit là, c'est comme ça l'a marché. Mais j'étais avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et quand il y a l'autre qui a paraît, qui te compte faire tout, mais qui a paraît, que même si je ne suis pas avalé, que je suis obligé au courant, je suis conscient tout que j'ai m'a tourné, hein. C'est pas le monde qui a tourné comme ça, c'est moi qui font choix ou bien en fonction de gens qui grandi. Est-ce qu'on a une sensation aujourd'hui dans l'église catholique ou bien dans l'église catholique, gon mouvement côté mounio prend l'église même genre, surtout l'autre a grandi à Jodia. Et vous avez dit un bagage extrêmement important avec le monde qui a évolué, avec les réseaux sociaux qui ont dégagé des informations ou bien qui ont envahi mounio le plus souvent, et où on a l'impression. Des fois, il semblait y ont l'impression que Mounio y a pas, est-ce que m'a dit y a pas mais une petite négligence quelque part. Uh-huh. Me dit y ont impression. Mais l'Église restait saliée okay. Comme une référence. Et si s'ouvre les crèmes, Guy et avec dérive société nous y a qu'on est jodia pour pas dire le monde et à qu'on est jodia en particulier la caille nous m'a demandé est-ce que l'église pas seule institution jusqu'ici malgré situation liable li m'était cap dire dégradante qui gagnait même ça que n'ta doué gagner parce que société jodia société jodia
li gen en pile exigence que le fait moun yo. Et moun yo kap vive nan société a, yo gen tendance à rythmer la vie yo au pas de ce que l'aujourd'hui propose. Oui, oui. La foi nan sens ça, li vin des fois on ti grâce ka yon moun ki peut-être manke on te kap di confiance ou bien manke conviction ou détermination li vin on ti grâce branlante ouais. Si m'ka di le comme ça ouais. Mais l'église là li toujours été salia comme institution toujours été salia mais moun yo au fond et yo gen tendance à quitter courant qui plus négatif aujourd'hui a influencé. Donc référence l'église était pour ba au direction il toujours était il toujours était il toujours était mais vague qui gagne connait a gagne tendance à porter yo elle par exemple pour gagne moun et garantie ou il pas besoin de quitter que yo perdi ça ouya non même l'entendre voilà quelque soit agence là le vrai chrétien catholique là il toujours été ça là. Est-ce que comprendre? Non mais c'est ça moi-même vivre tout parce que je dis à tout ou gain plus monde qui a fait des cap concocter des discours qui pas en faveur l'église. Et discours comme ça je dis. Mon cher, laissez-moi dire un bagage. Je voulais que et ni peut-être moi-même ou même pour monde qui suivent nous là, qui tendez nous sur réseaux sociaux ou bien sur radio qui cap relais émission ça, qui t'aime dire un bagage. Et mon cher, gain pile monde qui prétendent en tête yo que peut-être pour une raison bien pour l'autre yo capable et m'te ka di discréditer l'église ou bien yo capable et dit ça yo vle pour yo décourager moun kwè mais c'est un mauvais m'te ka di courant que lié parce que l'église li pa a fait yon moun s'il t'a fait yon moun li pa a fait moi-même d'ailleurs écoutez à mon âge l'église qui a plus passé 2000 ans, c'est pas moins. Est-ce qu'on s'abdoule? M'a passé, moi, bah, écoute, mais pam, par rapport avec ça que moi-même recevoir comme vocation, m'a quitté l'église là-là. C'est l'esprit qui a mené. C'est bon Dieu qui a mené. C'est l'esprit de Dieu qui a mené l'église. Si les forces du mal, comme, lui dit dans la parole, bon Dieu, t'as un pouvoir sur lui, l'étape et atteint déjà. Il y a des moments ça, ok. Quelque part, force mal ça, nous comprenons normal tout. Parce que mais oui, c'est venu sur route là. Oui, non, mais il existait sur route là. Mais sur Peul, c'est sûr que vous manquez un bagage. Ouais, mais dans les venir, il faut que vous amenez de maturité spirituelle. Parce que ce n'est pas vous qui défendez tout à ce moment-là. Mais c'est Jésus dit, c'est Jésus, c'est l'Esprit, c'est le Christ lui-même qui a dit ou mais qui ça pour dire dans moment ça. Et le plus souvent, et ça crive les sociétés à nous porter, nous quitter une portée dans les tropes par courant yo parce que les courants yo vini contraire yo prend direction yo vle mais est-ce que les yo vini sous faut qu'on qui côtoyé pour camper c'est sur la difficile pour faire des études à l'étranger comme prêtre bon oui ça capable vivre toute paix oui ça au moins on va le faire 3 mois 6 mois 1 an ou non oui ça je dis à ma tête mon comme être prêtre en Haïti être prêtre parce que c'est m'regarder est-ce que observer et fonctionnement d'autres prêtres dans d'autres pays, vu à peut-être des études ou à le faire. Vous regardez, être prêtre en Haïti, vu la situation, le contexte d'Haïti, est-ce que prêtre vraiment qu'a arrêté dans la parole, l'évangile là, sans ou pas mélanger avec ce qui a passé dans la société, contrairement à des pays qui n'ont pas de niveau problème social nous là-haut. Et la parole de Dieu, l'irrité s'allier à depuis toujours. Parce que le prêtre qui a un message que l'a porté, il n'a pas gagné l'a ajouté. Il n'a pas gagné tout, l'a payé. Son facilitateur de compréhension, lui. Enfin, ouais. Exactement. Parce que parfois, il y a un peu de monde qui pensait que porter un message, c'est dire un bagage qui n'est pas sorti dans ça, mettre la tête. Non. Et ça n'a pas privé que. Dans un contexte bien déterminé, ou adapter un message évangélique avec une situation. Bah, on se comprend. Avec une situation, écoutez, nous c'est moun. Nous c'est petit bon Dieu, nous c'est chrétien. Les nabga des gens moun ap vivre aujourd'hui à Guy. L'ap difficile pour garder moun ap vivre une situation difficile, pour pas réagir. Exemple,
conférence épiscopale d'Haïti, face à la situation que nous vivons en Haïti, chaque fois, toujours porter un message pour que les rappeler à la fois concernés, les gens qui ont le pouvoir, à la fois politique, économique et social, pour que yo créer une situation pour les gens capables de vivre. Je ne dis pas, c'est un bagage que moi-même médite chaque jour. Est-ce que la situation que nous avons vue aujourd'hui, nous capables de poser tête nos questions, nous dit que l'Église, pour sa part, lit au moins, pas au moins, est-ce qu'elle a une responsabilité ou bien est-ce qu'elle n'a pas une responsabilité face à ce qui a passé? L'Église toujours a une responsabilité. Mais cependant, premier responsable qui l'était, premier monde qui a une responsabilité dans la situation, c'est monde qui a un pouvoir politique, économique et social. C'est tout pour engagement pour ça. Depuis au engagement. L'Église est là pour non seulement accompagner Mounio sur le plan spirituel pour un équilibre de vie, moral pour un équilibre de vie, parce que lorsque vous aidez Mounio pour que l'équilibre la ville, elle connaît qui côté le sorti, c'est dans bon Dieu le sorti. Mm-hmm. Elle connaît que qui met ça qu'il doit faire, mais ça le pas doit faire. Tout ça il est réglé par la loi divine ou bien la loi, même la loi et sociale aussi. Mm-hmm. Il connaît ou qui côté pour mettre puis qui côté pour pas mettre elle. À ce moment-là, au bon équilibre. Mm-hmm. Ouais. L'Église est là pour vous rappeler que ou pas un droit à l'erreur dans ce sens ça. Voilà, est-ce que je comprends? Voilà. Alors, c'est important pour me te faire un petit point ça sur la question de l'Église là, parce que ça fait longtemps. Moi, sincèrement, bon, bah, on est. Bon, après, moi, mon père. Non, on n'a pas rejoint. On n'a pas rejoint du tout. On l'Église là, parce que. Non, déjà, bon, depuis où tu es recevoir là, où tu es en train de recevoir là, où tu es en train de partir là. Oui, oui, oui. C'est. Guy, on n'y est pas fait pour rien. Oui, oui. Alors, Père Asnig, ou son chanteur, musicien, ou sorti deux albums déjà. Et dernier album, là, c'est Fidélité, que Mounio Capoué poste a. Parlez de production album, ça. Alors, d'abord, premier album, là, depuis qu'il est sorti, et puis avant, nous t'arrivons sur Fidélité, que c'est le dernier album qui est disponible, je veux dire. Très bien. Et premier album, là, il est sorti en juin 2018. Et c'était après Mdekadis et 4 ans. Nous t'ai commencé vraiment chanter et puis m'étais baillé tête moi obligation m'étais dit que faut au moins nous produit et c'est là ça n'était sorti premier album non un album qui était 10 musiques et son album que en pile monde et en pile monde t'ai apprécié et album ça a liré les miséricordes et deuxième album non et nous sorti li là et peut-être quelques environ un mois et demi deux mois depuis que nous li fini nous sorti li et mon cher c'est tant qu'on le dit au cap fin font travail ou a grandi ou dit tout tant qu'on ti moun cap grandi ou ti moun a fait premier pas et là elle fin fait premier pas ou elle commencer prendre équilibre et là elle fait deuxième troisième pas ou dit non mais monsieur commencer bon marché. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que, et me pensez dans le deuxième album, non, c'est Fidélité. Mais c'est toute une histoire. Hein. Et si vous regardez tant de musique dans le premier album, non, c'est toute une histoire de vie que je m'ai raconté. Et si vous regardez dans le deuxième album, non, tout, comme j'ai dit dernièrement, et c'est mon expérience avec le Seigneur. Me permettre de vivre ça que moi-même. M'a vive avec bon Dieu. Très bien. On prend un extrait, on va tourner tout à l'heure. Bon chéri. Les bras ouverts, j'attends ton amour, j'attends ta pitié, j'attends ta miséricorde. Viens, étancher ma soif, viens, laver mon âme. Du extrait de l'album Miséricorde avec. Père Asnig Merlet et Nathan dans l'extrait là, mais un deuxième album qui sorti Fidélité et puis tout, une activité qu'a fait demain. Et... Non, je dis c'est jeudi ou vendredi? Jeudi à vendredi. Oh! Je veux avancer rapide. Le vendredi arrivé, ici, comment ça vous l'a dit? Super bye for bye super bye for boy. Ouais. Eh ben c'est ça que privé me là, m'vin là, yo bon moi et y a bon moi. Alors, il y a une question d'un impose comme on est qui est soutien de l'église à tout. Nous connaissons des prêtres qui très mariés comme si qui tout demande à faire passer par la Vierge Marie.
l'on lègue tant qu'on a près trois fois en musique et dépendamment de sensibilité au gain de l'église là pour des comme tu bah comme tu as donc des n'a pas de Marie n'a pas de Jésus n'a pas de bon Dieu et c'est dépendamment de sensibilité au gain oh musique quoi faire c'est pas pour vous ou faire musique là pour tout le monde et tout le monde pas forcément retrouver ou côté retrouver qui direction bah elle doit faire demander ou bien qui message qui passe la musique bien. Très bien mon cher et vous parlez de prêtre marial qui t'aime dire je suis un malade de la vierge pour me dire que c'est yon moun que la vierge pote nan mel comme ça par exemple sur album nan on voit vierge je marie ma mère et sur premier album nan te gagne dans les entrailles de la de Marie on pa gagne yon album que m'a fait que m'pa mette yon chant à la vierge et pa gagne droit pa mette l prend vierge marie ma mère sur deuxième album nan après ouais bonheur c'est naturel et vous voulez me dire et m'dil les j'aime clair m'dil les m'abdomi m'dil tout côté si m'pa de gien la vierge bon côté par contre qui côté que m'tapier et en pile grâce que bon Dieu fait yo passé par Marie en pile et quand qu'on me dit bien m'son bénédiction de Dieu. Donc est-ce que ça veut dire ou gon musique qui toujours caractérisé ça ou bien ou gagne l'impression parfois le fin de l'album tout aller dans seule tendance. Yes. Pas qu'on est mais m'fin fait alors le guidem dit bien toute musique moi tout c'est pour bailler bon Dieu gloire. Ouais. Pour bénir nos bon Dieu. Tout monde qui attendait. Ouais. Même Vierge Marie ma mère dans souvle ou attendait et me bon blague petite histoire. Nèg qui fait deuxième voix, qui fait deuxième partie dans Vierge Marie ma mère là c'est un protestant. Ouais. Qui chantait là avec moi. Waouh. En tant donc tibay. Vierge Marie ma mère. Tiens-moi par la main. Apprends-moi la sagesse de Dieu. Soutiens-moi sur le chemin. De miséricorde, c'est toi, Marie. Vraiment, à vous retourner dans le paquet de balles, vous allez vous perdre. Vous avez un peu de l'autre. Et je vais vous retrouver un petit calvatical dans une série d'ambiance que vous avez vu l'église, surtout avec ma maman. Ouais. Mais qui était remis à l'église. En pile, je vous dis, je vais vous amener à l'église, vous criez. Ouais. Eh bien, ça va retourner. Ça va retourner encore, oui. M'crier, ouais, madame l'église, m'crier, faut mal l'église là, parce que c'était vraiment. Et puis être enfant de cœur, c'est au bord de prêtre là, dans son nom. C'est une grâce. Ah, hey, c'est une grâce. Depuis enfant de cœur, y'a touré le petit père. Petit père aussi. C'est ton bel bagage. Je pense que c'est des bagages tout qui. Mais jusqu'ici. Écoutez, valeur et sacerdotal, là, pas changer. Et certes, contexte, moment, pas même, mais valeur sacerdotale, l'irrité, ça l'est. Est-ce que les jeunes ont toujours gagné un gourmand ça? Ou jeunes des jeunes qui gagnent un gourmand? Oui, toujours. Et dans le temps, il était contre petit garçon seulement, qu'on y a à la fois petit garçon et petit fille pour. Qui gagne désir pour enfant de cœur. Mais c'est très bien que de mettre des filles là-dedans parce qu'un enfant de cœur n'a pas forcément dit un mot pour le prêtre. Ouais. Pas forcément son service. C'est comme si. C'est pour ça qu'on est au servant de l'hôtel. De l'hôtel, oui. Vraiment, très intéressant. Ah, je me suis dit, pile. C'est toute une vie. Hein. Et parfois, quand on a regardé un bagage de l'extérieur, on dit ça. Et vie, ça a sauvé nous dans pile jeune. Hein. Sauvant pile jeune. Parce que, je veux dire, que l'on veut ou non, s'amier à l'église catholique pour beaucoup là. Parce que question de discipline, principe sérieux. C'est ça, ça m'appelait pas. Mais nous t'as parlé de ça. Il m'appelait pas avec crainte. M'appelait pas lever avec on envie de prouver à monde qui parfois met doute sur. Il y a un peu de monde des fois pas comprendre ça. Un peu de monde des fois pas comprendre ça, mais il y a qui te me dit on met comme sur les bonjour qu'a privé, il a dit et puis jeudi à bon bord. Majorité pif au monde dans société.
Est-ce que vous connaissez l'église qui formait yo? C'est vrai, ouais. C'est ouais. L'église qui formait yo. Ouais. Qui t'aime dire, bagay? Non, d'ailleurs, côté qui recule yo. L'État pas présent. Mais c'est l'église qui tout bagay. Ouais, c'est vrai. Qui de côté où est l'église là? C'est yo qui médecin? C'est des fois un prêtre. Prêtre là, li médecin, li prêtre, li agronome. Il c'est tout bagay. L'État pas qu'on a rien. Moi-même, vous connaissez, on a dit ça. Si nous tenons un pays sérieux, nous sommes supposés honorer l'Église catholique pour ça que l'a fait le pays d'Haïti. Oui? Qui compte c'est l'Église qui apprend mon yo écrit A, B, C, oui? Même, l'État pas même compte si il existait, non? C'est vrai. Écoutez, mes jeunes, écoutez, bon, des fois, quand des mon a parlé de Abdi, il dit des bagailles, c'est un petit peu malhonnête. Des malhonnête, fois. Méchant, un peu. Méchant. Méchant. Voilà. En tout cas. Mais espérons l'autre à retourner là pour nous parler. Non, mon cher, n'a pas retourné. Alors, nous faisons passage à pied joint sur le premier album Miséricorde, mais aussi alors, le deuxième album. Et c'est Fidélité, album ça a sorti récemment et disponible aussi. Disponible sur toutes plateformes numériques, mais donc vous avez dit tout à l'heure, demain n'a pas gagné en 20 signatures dans événement que n'a pas gagné dans Malinde Center. Et tant qu'on dit c'est bon cabrelé Lyon event ou bien yon gala de levée de fonds. Pour une situation bien déterminée. Alors, c'est un groupe et une organisation ici qui est formée avec des gens, des groupes et chrétiens catholiques qui mettent tête ensemble pour aider des églises en Haïti qui sont dans une situation difficile. Et puis, ils ont été jugés bon que, au lieu que yon moun ap voye, yon ti bagan en aparté, bay yon moun ou bien yon green moun, mais les sa yote dit tete yo, bay yo mette yo ensemble, yo collecte li, yo aide plusieurs groupes, plusieurs l'église. Alors c'est yo même, ensemble avec moi, yo mette pour que nous fassions un gala, et non seulement un gala de levée de fonds, mais là-dedans tout, pour me profiter, signer. Deuxième album. Et pour parler de l'activité, ça demain, à fête, Mounio Flower, là, a gagné la présence de Gazman couleur ou Disciple. Disciple même, c'est Disciple. Disciple et Gazman. Disciple avec tout le groupe là. Tout le groupe là. Yeah, Gazman et Disciple et Kapla avec nous. Alors, là, il faut une activité comme ça. Je prends l'antigen pour me faire Mounio comprendre. Nous prenons Gazman couleur Disciple, par exemple. Nous sommes son groupe. Et même si nous prenons pas un Gazman pour l'église, tout. Mais Gazman, c'est un chrétien. C'est un chrétien. Est-ce que c'est pas utiliser influence? Bon, pas quoi. Bonjour. Ma réponse, nous, rapide. Bonjour, dernièrement, et c'était 13 novembre dernier. On a fait un concert de levée de fonds. Ben, pas levée de fonds, mais un concert avec. Et nous avons mis mon frère, Père Réginal, dans l'église Notre-Dame d'Haïti. Dans mon Algadil, l'église était full, remplie. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que nous pensons que Gazman capotait plus. Bon, dire. Pas parce que le capotait plus, mais pas parce que ce n'est pas d'influence dans le juif. Non, je m'explique. Et je fais un gala. Je fais un event. Et je fais un. Je me dis bien un gala. Son gala où elle est le son gala m'a joué des musiques religieuses mais mon yo après il a besoin d'une petite ambiance là c'est un peu de social peut-être que doit pas gain social là me dit peut-être c'est parce que musicien me va pas jouer là et c'est parce que me pas la faire tout non on va meilleur porteur là bon si tu es prêt me d'abord là mais non mais c'est sérieux quand ça m'abdou parfois il y a moun qui pas fin comprendre ça ouais moi me connais limite moi ou connais limite c'est vrai moi me sont
un prêtre, il y a un chanteur, et ça m'a chanté, c'est quatre bagages à l'église. Oui, mais il y a des niveaux, quel côté je ne peux pas aller. Oui, est-ce que vous comprenez? Ou t'es cohérent à soi-même? À sa manière. Ouais. Est-ce que je peux venir pour me mettre, mon lieu camper, et puis m'a joué, et mon lieu danser pour... Non, c'est pas moi. Oui. Mais m'a chanté, musique spirituelle, qui permet que mon lieu médite, ça sont l'autre bagage. Ouais. Est-ce que vous comprenez ça, mal dit là? Et puis, un peu le monde pense. Elle avait dit père avec un château tiré à Bodaï. Bon. et ça dépend de ça que dit la donne. Ça ne va pas gagner un problème avec. Rythmiquement. Bon, Guy, un peu le monde, et tant que vous me souvenez, t'as dit ça, un peu le monde pensait que prêtre là, on t'y crasse, pas humain des fois. Bon, sain. Parce qu'on connaît que les ambiances festives, yo fait partie moun nan sa lié. Son temps de récréation que lié. L'humain a besoin de cela. Moun a besoin de se récréer. Sou pas créer ça pour être tout. Ou a éclater des fois. Est-ce que vous comprenez? Ou besoin yon ambiance pour ça. Mais est-ce que chaque jour, ou capable rete. Et parfois, il y a des gens qui pensaient des fois qu'il arrêtait tout le temps. Et bon, comme le prêtre, c'est un homme de prière, il fait que prier chaque jour. Ouais. Non, mais quand même, le prêtre vit dans son milieu de vie. Côté la vivre là, il doit épouser la réalité. Hein. Et puis. C'est avant tout son monde. Apparemment, Carlin retourne pour parler un peu de l'activité. Par contre, il y a peut-être des noms là. Carlin, bonsoir. Bonsoir, Guy. Qui est-ce? Bon, mais très bien, mais espère autant. Pour. Toujours content de vous. Moi, belle émission à faire, belle bagarre à faire dans la société. Moi, toujours apprécié. Autant de vous. Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Alors, Père Asnig avec nous dans le studio et n'a parlé des activités qu'a fait demain et il parlait c'est une association avec organisation ou président ou présidée que la fête. Nous t'avons d'abord présenté une association objectif li, et après pour nous t'avons parlé des activités. Ok, Seven Bread, c'est Gam, c'est une organisation parce que nous ouais qui sont pays d'Haïti avec jeunes ou pas vraiment. Ça fait que qui gens que pays d'Haïti tombé qu'on y a là c'est dans l'intention ça qui gon paquet de simon qui parle à l'école et yo prend yo utilisé yo by one second good entrée by aux âmes moun n'a pas la machine yo ralé sur c'est dans l'intention ça que nous même dans Sharing Bread moi même personnellement qui toujours qu'on a couvri en pile l'église qui a aidé qu'on y a nous vinn chita avec intention ça Marie moi et moi gagné madame Dida la Fontaine qui toujours dit Caroline ou toujours avec un paquet l'église tout former une organisation qui capable de faire ça avancer plus loin et vraiment vrai nous inciter vraiment nous former une organisation hein c'est une brette de ces gamme qui reconnaît par état aux États-Unis nous gagné tout nous ça on a bail une donation livre fini dans taxe capable de filer on a cette idée ça nous donc paquet de monde et nous venir rejoindre avec Père Snick Merlin qui est dans Chapelle 16, il y a un paquet de monde que lui prend yo, lui aider yo, lui toujours qu'on a fait quand était ensemble avec yo. Et tout monde ça yo, lui ba yo manger, uniforme yo gratis, ba yo l'école la fruit et yo sorti dans vraiment côté qui vraiment qui est capable de qui pas bon du tout en Haïti et moi quand m'pa connais ce qu'on est côté Chapelle 16 et Haïti, nous changeons longtemps. Chapelle 16, moun bank yo, les gros autobre yo, pas quitter vraiment pour si moun qui nan low class yo capable paraître là. Et pour nous, qu'on y a là, qui j'en situation Chapelle 16 tombe, qu'on y a là, et j'en situation pays ailleurs, c'est dans l'idée ça que Sharing Bread prend ça en cœur. Et nous pas seulement rester dans Port-au-Prince seulement, nous aller pour un province yo, nous aller au Cap. Nous allons à Port de Paix, nous allons à Saint-Marc, nous allons en Savoie, nous allons au Caï, nous allons à Bégan, côté dans la zone, nous prenons pas Cafou ou passé. Et nous prenons l'église dans Port-au-Prince, nous prenons Altafras, nous prenons Mario Auxiliatrice, Papier du Camel, nous prenons Simon Latour, nous prenons que nous tellement
faire une bread vle pour tout le monde pas arrêter comme ça même les en paroisse pas gagne l'école la donne puis en front que servante de l'hôtel yo parents qu'on pas gagne vraiment que nous prend un petit monde dans paroisse ça que nous supporter parce que nous pas vle qu'on y a l'agence pays d'Haïti IVA parce que nous toujours bon idée toujours qu'on a dit nous longtemps et si monde jodi grand monde demain t'acrivé jodi à la parce qu'on avec exam nan meyo parce que yo pas vraiment préparé yo et m'pa pas rentrer dans parti politique dem te pi si longtemps et avec la famille la vie si nous te préparé ti monde sa yo nous t'a privé vraiment plus loin nous pas dans situation ça yo konya et m'en vie à l'autre pour ti vacances mais konya là m'pa ka aller avait dit que c'est dans son staff c'est une bread et nous tout staff on dans une bread c'est une pas seulement été aux États-Unis nous avons branche membre qui le comité à qui au Canada avait dit que cap nous mettre nous ensemble pour nous capable ouais puis demain si Dieu veut si nous capable grand Haïti meilleur bien très intéressant comme initiative et surtout rejoignez nous avec Père Asnik pour quand même continuer pour tes contributions les nécessaires et parler de ça dans la radio c'est permettre d'autres monde aussi qui a même velléité ça même via influencé par ça n'a dit pour montrer que gon côté yo ka rejoindre ensemble et pour te coller demain et c'est pral on activité qui est dans cadre pour continuer et aider et nous connaît Père Asnik là pour signer un deuxième album ni hein, c'est Fidélité mais aussi il y aura la présence de disciples de Gazman Couleur qui est présent et Jean Mounou Kawel dans Flavia c'est $150 de frais de participation et en plus de ça qui ça qui quand même Mounou ka bénéficie en plus de prestations ça qui et peut-être on s'y dit de Père Asnik la présentation ça dans moment ça juste ça c'est que Mounou a besoin en pile les Mounou venir pour faire présentation dans gala ça dans premier gala et fundraising que c'est une bread à mettre sous pied en Miami que mon y a besoin d'un pile belle bagaille pour et nous grand pile surprise pour yo tout et nous connaît tout en a papa yo connaît nous toujours fêter maman yo connaît moi c'est maman nous toujours vraiment fêter fête maman yo mais fête papa yo pas tellement vraiment mettre papa yo comme si en valeur en valeur nous même nous faire une bread de mes studios une activité ça yo tout papa qui a venu dans l'activité, ça y en a mis en valeur. Très bien. Avec dit que si j'ai une maman, parfois quand j'ai maman, c'est papa et tout, avec dit que demain si Dieu veut, demain soir, dans l'air comme ça, dans Marandia Art Center, on a des duffés qui a plumé. Avec dit son gros duffé qui a plumé. Donc, son occasion pour maman qui partageait vie avec un bon papa. Mais c'est une occasion pour maman qui papa à la fois venir enjoy parce que la fête est deux fois, la fête est déjà, la fête encore là. Alors, c'est une bête, pas seulement nous pensons avec Simon, nous pensons avec la société. Très bien. Oui. Alors, nous pensons avec la famille. Vous comprenez? Avec ça, nous avons demandé tout le monde pour mettre nos pattes là ensemble avec nous. Pour nous capables de vivre, pour l'organisation ça qui avance et puis loin, pour nous capables d'aider plus six mondes toujours. Très bien. Père Asnik, on a quelque ajouter, puisque à un moment de prière aussi, ou bien un moment de louange, comment ça va se dérouler sur le plan religieux. Oui, nous passer toute première partie, hein, c'est un moment de louange ça, parce que Abgain avec nous et un autre artiste invité qui c'est Diangui. Que tout le monde est habitué et remettendé. C'est un jeune qui chantait très bien. Et puis, Abgain, tout, présentation, MD Album, nous, Père, avec tout Benny. Ouais. Bon, des fois, me dit Ben, des fois, me dit Jazz. Ouais. Et nous pral déposer. Et m'pap dit ça que pral gain, même en me quitter. Et mon yo découvri. Est-ce que vous avez gagné accès à l'album physiquement? Oui, nous avons gagné l'album dû et nous avons signé le premier album. Et le premier bagage que nous avons fait, les gens ont privé à l'entrée, ils ont rencontré avec CDA. Voilà. Et nous avons signé pour eux. Et bon, c'est sûr,
mon YouTube a bien possibilité pour yo, si vous voulez font photo avec PA. Et puis après ça et c'est pas le deuxième partie hein, qui c'est présentation et puis prière comme d'habitude dans toute activité nous gain des prières. Alors moi connais organisation a toujours été et fonctionnel même après événement ça et gain moun tout pour regarder interview ça après événement fin fête. Donc en sorte de participation ou bien de contribution c'est toujours la bienvenue madame parce que là bon numéro de téléphone qui est disponible parce que des moun capte des missions ça qu'on y a là qui a utilisé le numéro de téléphone ça si vous avez fait des dons à organisation pour permettre nous répondre à besoin moun ça qui dans difficulté en Haïti nous que nous décider aider. C'est la bienvenue à Guy parce que nous gagnons yon email depuis moun nan ta vle ba yon donation li capable rive ba yon donation hein pa zèl pa kasa pour $100 donc nous gagnons email nous qui c'est sisigam@gmail.com. Oui moun yo wale li écrit là tout moi c'est lui même qui zèl là tout. Oui, les mêmes qui zèle là tout. Lina écran numéro de téléphone là c'est 561 448 c'est Kachap. Et 561 481 6430. Ça c'est le numéro de téléphone mon yo. Ça c'est Kachap pour mon yo. Relé nous gagnons nous gagnons bien 40 tout aussi. Et oui, nous gagnons bien 40 dans West Fargo. Ouais. En tout cas, mon yo m'a posté flyer à tout sur Facebook. Tout à l'heure, et si quelqu'un qui a regardé là, on a un numéro de téléphone, sous besoin de fonds de dons, et puis pour faire suivi avec nous, parce qu'il y a plusieurs moyens qui sont disponibles pour ça. Donc, numéro de téléphone, là, c'est 305-785-31-70. Oui. Quel numéro ça 305-785-31-70. Il y a aussi le 305-487-80-53. Voilà. Voilà. Quel est le numéro de téléphone ça n'importe l'opte d'interview ça, si tu veux participer et ben on donne son connait quelqu'un qui gagne derrière la caillou envie changer, grand pile bagarre, pas connait envie faire cadeau parce que pas utiliser encore mais c'est pas parce que pas bon, c'est parce que peut-être à utiliser l'autre mais il y a monde qui a besoin et à travers organisation il arrive jeune monde qui a besoin parce que on connait plein monde qui gagne bagarre, c'est GT et des bagarre acheter parce que ça utiliser ou pas utiliser. Donc utiliser couloir ça pour nous permettre arriver sur monde qui vraiment n'a besoin. Et madame Karine, merci. Père Asnik, merci. Et merci Guy. Merci. À demain si Dieu veut. À demain si Dieu veut. Alors Père Asnik, d'après tout, n'est pas là encore et m'taimé ça parce que moi-même t'aimé faire conversation beaucoup plus approfondie. Ça, et sous question fonctionnement l'église là et jodi a par rapport à réalité pays a surtout et nous compte côté pour entrer nous compte côté pour ne pas entrer mais je gonjan tout y a désacralisé l'église là et nous pas ka quitter la pour aller comme ça tout parce que j'ai bien fait là-dedans parce que moi j'étais formé par l'église catholique donc primaire c'est prêtre qui était responsable papa me déconne par un petit frère les m'rivé dans collège c'est l'église catholique mais on comprend une formation donc ça mien jodi a c'est n'a dit c'est un monde nous remet. Mais son monde nous remet qui sont dans l'église catholique. Mais grand pile monde qui pas connaît ça, grand pile monde qui pas reconnaissant dans sens que vous faites là. Ouais. Guy moi-même et m'apprécier monde que vous êtes, m'apprécier et franchise m'apprécier tout et avec combien de d'élégance que vous faites ça vous faites. Alors merci pour l'invitation, merci pour temps que vous ben moi merci aussi parce que nous partageons en pile nous rit nous by blague et merci aussi parce que vous promettez nous pas avec nous tout et me souhaiter que moun yo tout y a profité de ça pour le permettre yo vivre dans ambiance là. Demain soir merci oui, merci dans les voix, c'est à partir de 6h30 mesdames et messieurs on commence à accueillir nous mais ambiance là normalement t'as supposé démarrer à 7h. Donc vini bonheur. Ou quand tu as une place ou que tu as rencontré un ami, font tirer avec avant même de commencer. Merci Pierre Asnik, bonne chance frère, et puis merci. À la prochaine. Union de prière. Allez, merci. Depuis moi tout petit, moi qu'on m'aime, c'est bon.